Salut les frayeurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy, c'est la deuxième fois que je passe en interview. Jérémy, il va se présenter juste derrière, puisqu'il a été finisher d'un monstre, d'un trail ultra, d'un raid de montagnard qui s'appelle la Pika Pika. Peut-être que ce nom résonne en vous déjà, vous en avez déjà entendu parler, vous en avez peut-être même rêvé. Il faut des courses de sélection pour pouvoir s'inscrire sur cette course à juste titre, puisque vous allez emprunter, si jamais vous êtes tiré au sort, enfin retenu par l'organisation tout du moins, et que vous êtes engagé sur cette course, il vous faudra franchir 18 pics à plus de 2400 mètres, dont 4 à plus de 3000 mètres. Je parle bien de pics, je ne parle pas de col. C'est un milieu très montagnard, une course réalisée par des montagnards pour des montagnards, un milieu très minéral, à fort dénivelé, à haute altitude, avec des passages techniques, Jérémy nous en parlera tout à l'heure, et vertigineux qui sont au programme, donc c'est à prendre en compte. Si vous n'avez pas ça dans votre bagage sportif, je vous déconseille fortement d'aller sur cette course, sur cette Pika Pika. Pour parler du dénivelé, 109 km annoncés, Jérémy nous a ramené son dossard, 11 500 mètres de dénivelé positif, vous avez bien vu le ratio. Au final, je crois qu'il y a un petit peu plus de 111 km, très exactement, de GPS. Il y a un kilomètre et demi de plus et les 11 500 sont bien là. Et pour réaliser tout ça, n'oubliez pas, il n'y a que 10 ravitaillements, chose qu'en ultra, on est souvent entre 13, 14, voire 15 ravitaillements. Deux bases de vie quand même, on reviendra dessus. Mais tout d'abord, je vais donner la parole à Jérémy pour que tu nous présentes un petit peu depuis ta découverte du trail en fin 2016, et puis surtout me parler de tes courses référentes, de tes deux diags rapidement, okay. Voilà, pour me donner un peu ton palmarès. Eh ben écoute, merci Yannick pour ton invitation, bonjour à tous. Toujours un plaisir. C'est gentil. Ben, en gros, pour résumer, donc début du trail de la course à pied fin 2016, inscription au club courant 2017 et puis bah, très rapidement inscription sur des courses de montagne dont le GRP hiver sur la deuxième édition, d'ailleurs il y a eu deux éditions du GRP hiver, un 30 km que j'ai enchaîné après au mois de juin par le Patou Trail, un 42 km assez costaud hein, avec fort ratio dénivelé, et puis le 81 km du GRP fin août 2018, donc ça m'a permis de monter assez rapidement les échelons et commencer à rentrer dans l'ultra, même s'il n'y a pas de nuit vraiment passée à l'extérieur sur le 80 du GRP. Ça dépend à quelle vitesse tu cours. Voilà, aussi, c'est vrai. On dit au GRP sur le 80 que quand tu commences à basculer ou porter, que tu arrives à Vielleur et que tu n'as pas allumé la lampe, c'est que tu commences quand même à être dans les costauds. La première année, j'ai dû allumer la lampe et le dernier que j'ai fait sur le 80, donc en 2021, c'est vrai que là, j'ai pas eu à l'allumer. C'était juste sous les 16 heures, généralement, on arrive à passer sans allumer la lampe. Donc l'année d'après, je suis passé sur le 120. Gros coup d'arrêt en 2020. Donc pas mal de off, etc. Et puis 2021, j'ai pu grimper sur la Diagonale des Fous. 2021 et 2022. Et puis donc quelques ultras de plus. Maintenant, je dois être rendu à 13 ou 14 ultras, je crois. Est-ce que tu peux juste nous redonner un peu pour voir un peu le niveau, les athlètes qui ne te connaissent pas, juste les temps que tu as fait sur la Diagonale. Diagonale, la première Diagonale, j'ai mis 38 heures, et la deuxième, 35 heures. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu le niveau de Jérém, tu avais fait presque un top 100, je crois, sur ta deuxième Diag. J'étais pas loin de l'accrocher, je dirais que... 109e, 110e 116, 210, 217e sur la première Diag et 116 sur la deuxième. Ouais, la course aurait duré encore un petit peu, je pense que c'était possible d'approcher le top 100, mais bon, après des courses comme ça, aussi difficiles, aussi longues, on relativise, déjà être finisher, c'est grandiose, alors... Mais... Le rêve de beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça, moi c'en était un rêve, et comme on dit, le rêve continue, j'y retournerai en 2024, hein, sur la Diag, c'est vraiment la course de cœur, mais c'est le fait, de se fixer des points d'étape au fur et à mesure, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin, ça fait partie aussi de la prépa mentale, etc. Le fait de se refixer des petits points d'étape, je vais un petit peu plus loin, un peu plus loin, un pas devant l'autre, etc. Ça fait que finalement le temps est pas si mauvais que ça, donc on essaye de passer sous un certain temps, on voit qu'on gagne des places, donc on essaye d'en gagner un petit peu, et tout ça fait que
on se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Et puis en même temps, bah, à chaque checkpoint, on gagne des places et on se prend en jeu quand on est un peu compétiteur. Ouais. C'est ça, tout à fait. Merci pour cette présentation. Maintenant, je pense que nos interlocuteurs en connaissent un petit peu plus sur toi. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Ce sera un plaisir que moi et Jérém, on vous réponde en interposé après. Pour accéder à cette PICA, donc, il faut des courses de référence. Oui. Quelles courses de référence tu as proposées, toi? Alors, rien que les Diagonales des Fous ont suffi. Il y a eu aussi, j'ai fait Madère au mois d'avril. Il faut des courses de plus de 8000 mètres de dénivelé positif, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est pas tant la distance qui compte, c'est surtout dénivelé. Il faut au moins une course minimum de 8000 mètres. Et en fonction du CV sportif, juste une course même de 7000 peut éventuellement suffire en fonction de l'expérience qu'on a en fait, que oui. ce soit dans le milieu montagnard ou des différentes courses que l'on a faites. D'accord. Donc même, je dirais même qu'un minute, le 115 km de l'Ultra Trail de Madère avec 7500 de dénivelé peut suffire, mais si on a fait plusieurs courses de ce type-là, comme plusieurs 120 du GRP, ou même par exemple une Pika Ariège, c'est ouais. la petite sœur de la Pika ouais. Pika, 70 km, 7000 mètres de dénivelé, mais vu la technicité et le ratio, on est quand même à 100 mètres de dénivelé par kilomètre, on n'a pas les 8000 mètres, oui. mais il y a la technicité. Donc celui qui réussit la Pika Ariège, il a sa porte d'entrée pour la Pika Pika, hein, c'est sûr. On va revenir dessus justement, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure en présentation de ce live. C'est vraiment des courses très spécifiques et la ouais. variété de vos entraînements, d'une manière générale, moi j'ai jamais participé à cette course, peut-être que j'irai un jour, mais j'irai bien armé, je le sais, qu'il le faut d'ailleurs, la variété justement de tes différentes courses, d'ultra, la Diag, on sait que c'est difficile, mais ça n'a rien à voir avec ça, le GRP, on sait que c'est difficile, mais ça n'a rien à voir avec ça, le Mute, c'est des courses qui sont difficiles, mais ça n'a encore rien à voir avec ça. Il faut presque, dans sa préparation, intégrer une reco de parcours quasiment pour se rendre compte à quoi s'attendre sur cette distance. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je dirais que mon expérience un petit peu de, entre guillemets, de haute montagne, j'aime me faire des off, partir en haute montagne. Tous les ans, j'essaye de me faire un 40-50 bornes, par exemple, à Gavarnie, où je me fais 7 ou 8 3000 mètres en montant à la Brèche de Roland, et après je me fais tous les 3000 de Gavarnie. On se retrouve dans un milieu hyper minéral, calcaire, beaucoup de pierres qui roulent sous les pieds. On est à 3000 mètres d'altitude, donc faut pas oublier qu'on manque quand même un petit peu d'oxygène. Pas les Alpes à 4000 non plus, encore moins l'Everest, etc. Mais on manque d'oxygène à 3000. Il y a ça, et en plus, je trouve, moi, personnellement, quand je suis sur des hauteurs comme ça, que je suis tout seul parfois, ça m'arrive peu parce que je vais très rarement tout seul en montagne, surtout à des altitudes comme ça, mais quand ça t'arrive, t'es quand même pas en sécurité, tu sais qu'il faut pas qu'il t'arrive trop grand mal, entre guillemets, et ça rajoute un peu un côté aventurier un peu quand même, ça reste de la haute altitude quoi. Oui, complètement, c'est de la haute. C'est important de savoir s'y frotter. C'est de la haute montagne, faut bien partir avec bien équipé, parce que bien évidemment, hein, quand on part à 1500 mètres d'altitude, il peut faire 28 degrés, on est super bien, on se dit bon, un t-shirt ça suffira. À 3000 mètres, c'est très différent. En 5 minutes de temps, on peut se prendre un orage monumental. Je me souviens encore celui que ouais. j'ai pris dans le pierrier d'Araillé, je rigolais pas beaucoup quand je me suis retrouvé tout seul là-dedans avec les détonations, enfin, comme si on m'envoyait 10, 15, 20, 30 pétards vraiment dans le creux de l'oreille. Il faut partir bien équipé, il faut pouvoir s'alimenter, avoir des pastilles de sel quand il fait très chaud. Parce que, une gourde filtrante voilà, éventuellement aussi. Une gourde filtrante. Avoir bien repéré le parcours. Bien repéré le parcours, ça c'est important. Savoir faire demi-tour, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi aussi. C'est pas une tare que de savoir faire demi-tour ou alors faire un itinéraire de contournement. Alors un itinéraire de contournement, on se dit mince, je vais aller d'un point 1 à un point B qui finalement n'est espacé que d'un kilomètre, ça semble pas loin, et en fait peut-être qu'il va falloir refaire 10, 12, 15 kilomètres de plus pour pouvoir rejoindre ce point-là parce qu'il y a eu un éboulis, parce qu'il y a de la neige, etc. Ça va te rajouter tout de suite 3 heures de temps, et bah tant pis, si tu avais prévu de finir ta sortie à 21h juste avant la nuit, et bah tu la finiras à 23h ou minuit, d'où l'intérêt d'avoir une frontale, d'avoir des batteries de rechange, etc. Parce que tu sais jamais... Couverture de survie. Je pars jamais sans finir
finalement presque l'équipement obligatoire qu'on nous demande sur les courses. Exactement. Même quand je le fais en off, encore plus quand je suis tout seul. Et je pense que tout ça, cette expérience-là, avoir fait aussi des sorties de 10, 12, 13, 15 heures, par exemple sous la pluie, dans le froid, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est hyper formateur, pour, notamment pour la Pika Pika. Là, la Pika Pika, c'est le summum de savoir clairement se connaître et puis et bien préparer la course, dont notamment faire éventuellement une reconnaissance. Moi, j'avais voulu faire le deuxième tiers, donc en gros du kilomètre 31 au kilomètre 65 à peu près, qui est toute la partie en Andorre. Je l'ai faite 3 semaines avant la course, je regrette pas du tout. Ça m'a permis quand même un petit peu d'appréhender les sentiers, le dénivelé, le ratio. Surtout de constater que ça allait être monstrueux, parce que j'ai fini bien rincé de cette sortie-là qui faisait même pas 40 bornes, mais j'avais quasiment 4000 mètres de dénivelé. Et je me suis dit, ça va être un sacré chantier, sachant que hyper filtré pour pouvoir rentrer sur cette course-là. Et malgré ça, il y a quand même un gros 50% de taux d'abandon. Ouais. Alors que, comme on dit, c'est pas des pimpins qui participent à cette course. Et du coup, on va revenir à quelque chose de très costaud, et ça a été le cas. Sur la difficulté technique du parcours. En ce qui concerne ta prépa physique et mentale, est-ce que tu as mis des choses en place différentes de par rapport à d'habitude? Ou alors, est-ce que tu as gardé tes grandes trames d'entraînement? J'ai gardé mes grandes trames d'entraînement. Après, j'ai quand même fait plus de dénivelé que d'habitude. Là, on est quoi ? On est au mois de septembre. J'en suis à 112 000 mètres de dénivelé. J'ai mangé beaucoup, beaucoup de dénivelé. D'ailleurs, là, le physique se ressent un petit peu au mois de septembre. Quand on dit beaucoup, beaucoup de dénivelé, il ne faut pas oublier qu'on habite en Charente-Maritime. Oui. Et que notre seule bosse, la plus grande bosse qu'on a dans le coin, fait 50 mètres de D+. Ouais, donc, quand on parle de beaucoup de dénivelé, pour nous, c'est up, down, up, down, up, down, up, down. Donc, effectivement, c'est énorme, parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir se taper 2005 ou 3000 mètres de dénivelé tous les week-ends, si on pouvait faire une sortie longue de 8 heures ou 10 heures. Ouais. Voilà. On essaye d'aller un petit peu en montagne, mais bon, c'est pas juste à côté, bon, il y a le péage. T'es pas un athlète professionnel. Ah non, pas du tout. Donc il y a la vie de famille à gérer aussi, et puis effectivement les coûts, le travail et les coûts. Donc d'un prépa mental et physique, tu as ajouté plus de dénivelé en fait. Plus de dénivelé, et puis après je dirais qu'en prépa mental, c'est pas quelque chose que je travaille. Par contre, je visualise quand même pas mal mes courses. Alors d'une, c'est un début de la prépa. En faisant une reconnaissance, forcément, c'est de la prépa. Hein. Ouais. Et puis j'ai tendance aussi beaucoup à je prépare toujours des petits profils de courses. Tu peux l'approcher bien proche de la caméra que les gens voient. Mes petits profils de course en fait, qui tient dans la poche, que je mets dans mon sac d'hydratation. Je me mets à quelle altitude on démarre, à quelle altitude on monte, et ainsi de suite. Pour chaque bosse, je sais combien je monte, combien je descends, combien je monte, combien je descends. Éventuellement l'inclinaison de la pente aussi, surtout avec les barrières horaires et les ravitaux. Les petits ravitaux et les gros ravitaux, voire éventuellement je me mets d'autres indications aussi kilométriques à l'arrière. Et ça déjà, je pense que d'un point de vue prépa mental, ça compte énormément. C'est très important. Tout comme aussi regarder des vidéos un petit peu sur YouTube. Il y a de plus en plus de YouTubeurs en herbe, c'est pas toi, je vais la prendre, tu pratiques. Et voilà, on voit un petit peu dans quel contexte on va évoluer, etc. Donc tout ça permet un petit peu de visualiser. Et puis je sais qu'en approchant des courses, à 10-15 jours de la course, je commence à rentrer un petit peu dans ma bulle. Ma femme me le dit souvent, « Oh, toi, tu commences à plus être là. Ouais. » Tu rentres tout doucement dans ta bulle. Et je pense que ça fait partie d'une prépa mentale, mais qui se fait en gros naturellement. Je ne me fais pas une séance à proprement parler, etc. Mais tout ça additionné, je rentre un petit peu dans ma bulle. Et c'est à quoi m'attendre, entre guillemets, même si la Pika Pika, je pense que de toutes les courses que j'ai faites, c'est celle où j'étais vraiment le moins serein en partant, clairement. Alors je te rejoins sur la préparation en amont de ce genre de profil, se projeter, savoir où on va, où sont les ravitaillements, à peu près les temps estimés de course, c'est hyper important, ça permet de se projeter. Et effectivement, la Pika, je pense que tant qu'on n'a pas mis les pieds là-bas, on ne peut pas se rendre compte. Tu avais le droit, normalement, à prendre un pacer avec toi? Oui, on était 250 partants, alors il y a eu réellement 238, je crois, partants. On pouvait demander un pacer qui, en fait,
intervenait à partir de sous le CM2, donc la deuxième base vie, qui intervient en gros aux alentours de 66-67 km, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de vérifier. Ouais, 68e kilomètre. 50 paisseurs maximum, donc il fallait faire la demande assez tôt pour être sûr d'avoir son paisseur. Je crois qu'il n'y a pas eu les 50 paisseurs, ou alors tout juste. Personnellement, j'ai pas eu de paisseur sur la course, mais... Ça a été un choix, tu l'as voulu, tu y as pensé. Bah, disons que cette course-là, il n'y a pas grand monde qui... Bah, déjà, qui peut y accéder de par le CV sportif qui est demandé. Il faut quand même... alors, je ne dis pas d'être bon ou quelque chose comme ça, hein, c'est pas du tout ça, mais d'avoir des courses références, ouais. Ça nécessite quand même d'avoir fait des grosses courses. Et après, on est sur un milieu qui est hyper engagé, donc je voyais pas trop qui pouvait éventuellement m'accompagner. Et puis en plus, je sais qu'on était à tout juste une semaine du GRP, même pas une semaine du GRP, donc je voulais... De toutes les personnes que je connais, donc toi par exemple, je sais que tu faisais le 160 km, j'allais pas te demander est-ce que tu peux venir avec moi sur la Pika Pika, t'allais hypothéquer clairement tes chances de réussite sur ton 160, pas que tu l'aurais pas terminé, mais tu l'aurais peut-être pas terminé aussi bien que tu l'as fait. C'est sûr. Ok, est-ce que tu pourrais me parler un peu de la difficulté technique du parcours? Depuis tout à l'heure, on dit... Oui. 110 bornes, 11 000 mètres de dénivelé, ok, ça monte, ça descend. L'athlète, tous les athlètes qu'on est, tous les trailers qu'on est, peuvent se dire, bon, bah, je vais bien me renforcer les cannes, j'ai les bâtons, ça va le faire. Dans quel milieu on progresse? C'est ça qu'on a du mal à appréhender. Alors là, on est sur de la haute montagne, parce qu'on est clairement, allez, si on doit faire une moyenne d'altitude, en redescendant, hein, même relativement bas, et encore, quand je dis relativement bas, au plus bas, je ne parle pas du départ et de l'arrivée, hein. Au plus bas, on est à 1600 mètres. Donc en gros, on évolue quasiment à 2300 mètres d'altitude de moyenne, en montant... quasiment à chaque pic, à hauteur de 2700, 2800, et voire même plus de 3000, parce qu'on monte à un peu plus de 3150 mètres au pic des stats, qui est plus des deux tiers de la course. Oui, en plus, les 3000 mètres, on se les tape à plus de deux tiers de la course. Ouais, on a fait forcément plus de 70 km, donc c'est assez monstrueux. Milieu hyper minéral, il y a des petits sentiers, on pourrait même appeler ça plus descente, avec énormément de cailloux. Alors, du caillou, on connaît un petit peu, on a tendance à aller dans des pierriers, etc. La seule grosse différence en Ariège, par exemple, par rapport aux Hautes-Pyrénées, c'est qu'il y a des pierriers, mais les pierriers ne sont pas du tout les mêmes. Dans les Hautes-Pyrénées, ça va être pour beaucoup des gros blocs, ouais, relativement stables. Tout à fait. Donc traumatisant, hein, pour les cuisses, les mollets, etc. Quand on doit mais sauter. Mais quand tu poses un appui, il tient. Mais quand on pose un appui, voilà, il tient. En Ariège, clairement, c'est énormément de petits cailloux, voire de cailloux un peu plus gros, mais qui en fait te roulent sous les pieds, sont très instables. Donc à partir de là, poser un pied, bah, ça nécessite une concentration encore plus grande, une dextérité encore plus grande, d'où une proprioception accrue. Tu l'as aussi bien en montée qu'en descente, ce genre de choses? Aussi bien en montée qu'en descente, hein, ouais. Alors en montée, comme on n'évolue pas bien vite, et ça je peux le confirmer, parce que j'ai certaines sections, je prends mon portable, surtout la section entre sous le CM2 et le Souillot, et ça a été quelque chose, je suis entre 1,43 km heure et 1,61 km heure. Ça doit faire plaisir quand on voit ça à la montre. Comme on dit, là j'ai pété les scores de lenteur, ouais. Mais clairement je ne pouvais pas aller plus vite. On est dans des pourcentages d'inclinaison de 40-50% d'inclinaison, que ce soit en montée ou en descente. Donc clairement, on est sur des œufs. En plus, ça roule sous les pieds, etc. Donc, en montée, bah, on manque énormément d'oxygène. Là, je l'ai bien vu. J'ai bien compris que j'habitais en pleine. Malgré le fait d'avoir fait une reconnaissance, d'avoir fait une sortie de 10 heures 3 semaines avant, on fait un petit peu de globule, ouais, mais clairement pas assez. Il aurait fallu faire une prépa d'une semaine en haute montagne, ouais, etc. Ouais. Mais c'est compliqué. Hein, quasiment idéalement, il faudrait vivre sur place une semaine à l'avance, histoire de bien s'adapter. Bah, je te dirais que de toute façon, tous ceux qui sont devant, c'est pour beaucoup des montagnards. Ouais. Hein, c'est clairement. Et encore, il y a même beaucoup de montagnards qui ont abandonné. Ouais. Donc, c'est sûr. Pour le, du coup, on utilise les bâtons pour monter.
Là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, même si je suis adepte du sans bâton, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont... J'en ai vu 3-4 qui étaient sans bâton. Sans bâton. Ouais. Alors, je dirais que dans un certain sens, les bâtons, on peut se dire je les utilise pas, parce que le fait d'utiliser des bâtons, c'est aussi un petit peu énergivore en termes de, voilà, d'oxygène, etc. Il y a besoin de beaucoup s'alimenter. Mais là, on a des pourcentages d'inclinaison qui sont tellement élevés. Clairement, les bâtons aident. Mais alors, quand tu poses les bâtons sur un single, je comprends. Les bâtons sur un single avec des rochers fixes, je peux comprendre. Des bâtons multibrins ou dépliants, quand ils sont dans un pierrier et que ça roule comme ça, faut savoir bien les manier pour pas les casser, quoi. Bah, faut savoir bien les manier. Alors, je dirais que dans les montées, ça va. Il faut essayer de piger le coup. Oh, tiens, il y a cette pierre là, il y a un petit recoin sur une pierre là. Par exemple, j'en ai une ici là. Et bah, sur cette pierre là, hop, on va avoir une petite encoche. Et bah, clairement, on essaye du premier coup, clac, de taper avec le bâton dans la petite encoche. Ça permet d'avoir semblant d'accroche. Et puis, on pousse un petit coup, mais pas trop fort non plus, parce que comme la pierre en elle-même n'est pas fixée, hop, elle va partir en arrière. On a quand même des petits copains qui peuvent être 300 mètres plus bas, ça roule au niveau du dénivelé. Si on se prend une pierre comme ça en pleine tête, autant dire que la course est finie, c'est hôpital, voire même plus grave que ça. Donc on essaye d'avoir une pose de bâton la plus clean possible, la plus rapide possible, et puis voir régulièrement, en fait, les bâtons, je les rangeais, parce qu'il y a certains endroits, c'était pas praticable avec les bâtons, ils ne servaient à rien. Donc tu as alterné quand même certaines parties. Ah oui, il y a des parties où j'ai clairement pas utilisé les bâtons, et je dirais même que la montée du Souillot, c'était le quatrième 3000, c'est de l'escalade. Il y a des lignes de vie, etc. On va revenir justement dessus, parce que au-delà de cette difficulté technique, on sait que la pica-pica, c'est très engagé, ça demande des capacités physiques et des capacités montagnardes hors normes, comme on disait tout à l'heure, pas pour un montagnard pur, mais pour un trailer. Ça sort du champ de vision du trailer, c'est-à-dire que pour moi, un trailer n'est pas forcément capable, même s'il a fini la Diag ou l'UTMB ou le GRP ou d'autres courses comme ça, de s'engager sur cette course. Ça demande des aptitudes de vrai montagnard. Est-ce qu'il y a des endroits, tu es obligé de mettre les mains? Est-ce qu'il y a des endroits, c'est vertigineux? Est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es senti très peu en confiance à te dire bah là, si je me rate, je meurs? Alors, pour répondre à la question, sans faire peur non plus, c'est une question de point de vue. Je dirais que, si on met un Kylian Jornet, effectivement, il ne va pas avoir peur. Lui. Il va évoluer. Martin Kern a gagné la Pika, il s'est amusé, discuté avec les bénévoles. Lui, il a pris son pied, tant mieux. Parce qu'il habite peut-être pas loin aussi, il est du secteur. Et puis, il voulait aussi faire plaisir. Il est venu voir son pote Nahu Passera, qui est un éminent athlète du secteur et qui a créé la Pika Pika. Parce qu'il faut savoir que la Pika Pika, ce n'était que la 5e édition, qui pourtant est déjà une course légendaire. Ouais. Et sur ces 5 éditions-là, en fait, c'est que la deuxième fois qu'on a pu faire, et j'ai la chance d'avoir pu faire l'intégrale de la course, parce que c'est tellement engagé, tellement vertigineux, tellement dangereux par moment, qu'il y a des itinéraires de contournement. Je pense qu'il faut dire les choses. Si pleuvoir, à neiger, s'il y a trop de vent, des orages et autres, 10 petites portions de contournement possibles pour éviter ce que là, quand même, c'est la sécurité qui prime. On a la possibilité quand même de ne pas s'engager droit vers la mort, tout simplement. Donc après, comme je disais, c'est une question de point de vue. Alors personnellement, j'adore la haute montagne, j'aime évoluer dedans et je me sens un peu comme à la maison quand je suis là-bas. Donc j'ai pas d'appréhension particulière. Forcément, quand on grimpe, oui, c'est engagé, oui, il a fallu mettre beaucoup de fois les mains. Comme je parlais tout à l'heure, la montée du Souillot, c'est de l'escalade, ni plus ni moins. On est obligé de s'engager. Par contre, on y va tranquillement. De toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus vite. On est haut en altitude et puis c'est tellement incliné qu'on ne va pas vite. Mais il faut prendre le temps de bien poser les mains, les prises, etc. Prendre les lignes de vie, les cordes et autres. Et on grimpe. Si on a besoin de se poser, on a la vision un peu trouble, on est fatigué, on se pose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un ultra qui a passé pas tout à fait 40 heures. Donc, il y a la nuit à gérer, les deux nuits, la nuit à gérer. Il y a la fatigue. On peut avoir des hallucinations, on peut avoir une déshydratation sévère, on peut arriver à ne plus s'alimenter, on peut avoir les pieds complètement en feu, on peut avoir des échauffements,
On peut avoir tout ce qui peut arriver sur un train. C'est un peu de tout ça. Et on me demande quand même de monter sur des hauteurs comme ça. C'est comment ça. Ils arrivent à baliser par contre correctement? T'as pas cherché ta route? Non, alors clairement le balisage, très bien. Il y avait des balisages allez, tous les 50 mètres. Il y avait beaucoup de bénévoles. Je dirais que comme on a évolué d'Ozat à Soulsem, Soulsem, Andorre, on revient Cabanecroots, on redescend à Soulsem, puis ensuite on va faire le Montcalm, on redescend à Artigues, on remonte au pic rouge de Bassiès pour revenir à Ozat. Finalement, en termes de kilomètres, on n'est jamais très loin. Donc les bénévoles ont pu se placer toujours à des endroits stratégiques. Donc je dirais que pour se perdre, sauf si on est vraiment fatigué, on ne voit plus rien, etc., ça peut arriver, mais normalement, enfin voilà, le balisage était, oui, était vraiment bien fait. Là-dessus, il n'y avait pas de soucis particuliers. Après, comme tu dis, par contre, c'est pas hésiter à se poser, à prendre du temps et retrouver ses esprits, bien s'alimenter. Et là, hop, on avance étape par étape, petit pas par petit pas, et puis on avance coûte que coûte pour rejoindre le point d'étape d'après. Après, comme tu disais, il n'y a que 10 ravitaillements. Alors, 10, ça paraît à la fois pas beaucoup, et en même temps, on se dit, bah, c'est à peu près tous les 10 km. Ouais. La seule chose, c'est comme on évolue très peu vite, bah, en fait, c'est plusieurs heures. Ouais, c'est ça, ça va être 4-5 heures. Oui, entre chaque ravitaillement, voire même et plus. Et donc là, c'est très long. Imagine, à 1,4 km/h, imagine le prochain ravito, il est à 10 ça. km, il peut se passer 10 heures. Ouais. Bon, après, il faut essayer d'avancer un petit peu, parce qu'il y a les barrières horaires qui peuvent te rattraper. Hein. Il y a quand même des barrières horaires, sinon la course, elle pourrait durer 100 heures. Hein. Ouais. Tout ça additionné fait qu'il faut à la fois prendre son temps, mais essayer de garder ses esprits et évoluer vraiment en pleine conscience. Je dirais que si j'ai 2-3 copains, dont un qui l'avait fait l'année dernière et qui l'a refait cette année, ça s'est un peu moins bien passé cette année, mais il est quand même finisher. Il a fini dans un état de fatigue extrême. On l'a eu, on l'a vu. Johan. À la fin, Johan, exactement. Donc chapeau à toi, Johan. Ouais. Super ce qu'il a fait, il l'a terminé une deuxième fois, mais je peux vous dire qu'il a poussé très très loin la machine. Déjà, moi je l'ai poussé loin. Lui, il a poussé très très loin à avoir des hallucinations assez étonnantes, à avoir un discours qui était complètement désordonné et qui voulait rien dire. Mais gros 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 mental, il est allé au bout de la course et surtout au bout de lui-même. Oui, c'est ça. il faut être conscient, en fait, je pense qu'il faut accepter de cette course-là. Elle n'est pas gagnée pour personne. Faut être prêt à accepter l'abandon. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a accepté un éventuel abandon, on peut notamment s'engager, alors physiquement, mentalement, etc. Et ça permettra en fait de pouvoir finalement se projeter au fur et à mesure en se disant, au pire des cas, il y a un abandon possible, mais je continue à avancer. C'est compliqué, moi on m'a posé la question plusieurs fois, c'est ce que j'ai mis dans mon compte-rendu, quel temps tu penses faire, quelle place, etc. Et je me disais, bon c'est super sympa, c'est bienveillant comme discours, bon toi Jérémy, de toute façon t'as fait plein d'ultra, de toute façon tu le finiras. Attention là, on est sur autre chose, ils exactement. Le disent bien dans la présentation de la course, c'est un ultra de montagne, c'est pas un trail, c'est pas un ultra trail, c'est un ultra de montagne. On en parlait ensemble, je pense qu'on peut pas forcément parler de trail à proprement, parler, mais plutôt de limite de randonnée alpine en fait. Ouais. Ou de raid montagnard. Ou de raid montagnard, exactement. Il faut vraiment être pleinement conscient de la pénibilité de cette course et se dire qu'on va devoir aller puiser très très loin, même bien préparé, très très loin physiquement et mentalement. Ça c'est certain. Tout à l'heure tu nous disais donc il y a des moments tu es obligé de poser un peu les mains sur poser un peu ou beaucoup les mains sur la roche pour arriver au sommet du pic. Tu entames la descente. Est-ce que tu as des lignes de crête aussi à certains endroits? Oui, il y a des lignes de crête, je pense. Après toute la partie Andorre, on monte une bosse qui s'appelle un pic qui s'appelle le pic de la Soucarane, qui est également appelé pic de la Rouge. C'est très pentu, c'est un très gros kilomètre vertical. Et arriver en haut, clairement, s'il fait pas beau, s'il n'y a pas de vent, on peut y aller. S'il y a du vent et qu'il fait pas beau, que c'est humide, faut pas s'engager. Hein. On est clairement sur une ligne de crête, on est obligé de mettre les mains. Et c'est vertigineux à gauche, à droite. On a déjà quelques kilomètres dans les pattes. Pour celui-ci, on a presque 60 kilomètres. C'est du gros bloc devant toi ou c'est... Et on a cumulé 6 000 mètres de dénivelé déjà. C'est
C'est très saillant en fait, on n'est pas stable, c'est très saillant, donc pour se stabiliser, effectivement, il faut mettre les mains à gauche, à droite, il faut évoluer vraiment de manière clean et même lentement, ça c'est pas un souci. Et c'est vrai que ça fait relativiser au bout d'un moment en fait, si on s'était fait un plan, il faut que je sois à tel endroit, à telle heure ou autre. À la fin, on se dit, mais en fait, je m'en fous, je veux juste être finisher. Oui, c'est ça. Je veux avoir mon caillou, parce qu'il faut savoir que... Il est là, ton caillou. Ah, c'est ça, on l'a pas. Le trophée de la pica-pica, en fait, c'est pas une médaille, c'est pas un diplôme qu'on nous imprime ou autre, c'est un caillou que l'on a sur un tronc d'un bois. Mais comme je disais, ce caillou-là, je suis allé le chercher, et c'est mon caillou, et j'y tiens énormément. Et à quel prix, effectivement, ouais. Voilà. Il est magnifique. Donc effectivement, on est à parler de ces passages techniques sur les parcours. Comment s'est passée la nuit ? Progresser tout ça de nuit, dans ce milieu-là, ça doit être complètement déroutant. J'imagine que tu n'étais pas accompagné de beaucoup de coureurs. C'est une course très intimiste. Tu l'as dit, 220 personnes, je crois, au départ. Les abandons, plus on va loin, plus tu es tout seul. Et plus il y a du temps entre chaque coureur. Hein. Il peut y avoir 2 heures entre chaque coureur. Ouais. Donc il faut compter que sur soi-même. Comme je disais, il faut se fixer des points d'étape. Se dire, bon, ok, j'ai cette montée-là, le ravito n'est pas si loin, mais il va se passer plusieurs heures. Mmh. Donc j'ai mes gourdes filtrantes. J'ai éventuellement des petits cachets, des pastilles micro-pures pour purifier l'eau, parce que c'est pareil, on part avec 1 litre ou 1,5 litre, il demande 1,5 litre. En pleine journée, quand il fait chaud, on l'a connu, le 1,5 litre, il est sifflé, mais en 1 heure de temps. C'est ça. Sachant que le prochain ravito, il est dans 7 heures. Donc, on a dû très régulièrement devoir remplir les gourdes dans des cours d'eau. Alors, comme on est relativement haut, à plus de 2000 mètres, il y a peu de bétail, etc., ça se passe bien. Mais ils ont été hyper insistants là-dessus. Ça fait vraiment partie du matériel obligatoire. Il faut les pastilles de micro-pure, ouais, ou les gourdes filtrantes pour pouvoir boire, recharger. Et puis se mettre, boire directement dans le ruisseau, recharger les flasques, etc. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, on se fixe des points d'étape, on se dit, allez, je vais jusqu'au prochain ruisseau où je vais pouvoir remplir la gourde. Là, on peut se poser 2 minutes, on repart, on se dit, là, il va y avoir un plateau, d'où l'intérêt d'avoir préparé la course aussi avec le profil. On sait qu'il va y avoir un plateau 500 mètres plus loin, 500 mètres de dénivelé plus loin. Donc, on continue à monter, hop, on arrive sur le plateau, on peut se poser un petit peu, marcher, etc. Et puis après, hop, on se retape encore la suite pour tomber au pic. Et après, allez, on redescend tranquillement jusqu'au prochain ravitaillement. En fait, il faut se fixer des points d'étape au fur et à mesure et ne pas se dire, c'est pas possible, il me reste 50 km. Oui. Il me reste 55 km. Alors, si tu pars avec cet état d'esprit-là, c'est fini. C'est pas possible. C'est, c'est une montagne qui se dresse devant toi, qui est impossible à franchir. Donc, il faut essayer d'y aller petit pas par petit pas. C'est vraiment un truc qui m'a marqué depuis que je suis allé à La Réunion en famille en 2020. Et après, en 2021 et 2022 pour la compète, ils m'ont toujours dit, largue pas, petit pas, petit pas. Donc, en fait, t'arrêtes pas, continue, pose-toi s'il faut, mais tu avances petit pas par petit pas. Et puis en tant que raideur, ce qu'ils appellent ça, on est appelé les raideurs sur l'île de La Réunion, tu arriveras au bout. En plus, bon, ce qu'il y a, c'est que les barrières horaires sont aussi relativement larges sur la diagonale, donc ça permet quand même de pouvoir finir sans trop de difficultés, entre guillemets, bien sûr. Ici, la barrière horaire, elle est fixée, hein, sur la pique. 14h à Soulsem 1, au bout du 30e kilomètre, où on a 3500 mètres de dénivelé cumulé. Ensuite, c'est 31h à Soulsem 2, une fois qu'on a fait toute la partie Andorre, qui est très jolie d'ailleurs, mais aussi très exigeante. Andorre, on arrive à Soulsem 2, donc au 68e kilomètre, et on a cumulé 7500 de dénivelé. Après, donc, comme je disais, on se tape les 3000, dont le Mont Cam, le pic d'Estat, Verdaguer, et puis après donc le Souillot, où on fait une bonne partie d'escalade, et après on redescend à Artigues, où là la barrière horaire est à 42 heures, et on en est donc au 86e kilomètre avec 9500 de dénivelé. Et là, il nous reste encore un bon gros morceau, une montée encore de 1500 mètres de dénivelé, qui est le pic rouge de Bassiès,
qui est un gros morceau. Début de la montée, plutôt calme. Il y a des petits torrents, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et après, ça se raidit. Et c'est ultra exposé en plein soleil. Je l'ai fait entre 12h et 15h. Donc autant dire, c'était ce que j'avais mis dans mon compte-rendu de course. C'était un four à chaleur tournante. Incroyable. J'ai pris d'ailleurs des coups de soleil comme jamais. Alors que j'en prends très peu. Et là, en fait, on redescend jusqu'au refuge de Bassiès, on se retape une dernière montée de 300 mètres de dénivelé pour finir les fameux 11 500 mètres de dénivelé, et enfin redescendre aux Attes, 55 heures pour la barrière horaire finale. Donc moi, c'est vrai qu'au final, je n'ai fait qu'une nuit, parce qu'on est parti à 5 heures du matin. J'ai fait la nuit donc de retour en France sur la partie justement hyper engagée. Ça, je l'avais fait de jour sur ma reconnaissance, donc je savais où j'allais poser les pieds. Donc là, pour le coup, je l'ai fait de nuit, cette partie-là, le pic de la Soukarane. Et j'ai fait après de nuit la montée du 3000, du 3000 mètres jusqu'au Mont Calme. Et j'ai pu voir un magnifique lever de soleil. Je suis arrivé presque à la minute près en haut du Mont Calme pour pouvoir voir le lever de soleil. Et après, j'ai fini juste avant la tombée de la nuit. Il était aux alentours de 20h à peu près. Donc j'ai pas eu besoin de rallumer la frontale pour une deuxième nuit. Sur une course aussi longue que ça, on sait que tu as déjà plusieurs ultras à ton actif. On en a parlé tout à l'heure en amont de cette vidéo. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « je vais pas arriver à finir cette course » Alors, si c'est vu de ce point de vue-là, non. Par contre, il faut savoir qu'arrivé au 30e kilomètre, donc c'est-à-dire au premier sous le SEM, 32e kilomètre avec 3500 de dénivelé, c'est déjà bien engagé. J'ai fait, on va dire, une belle saison avec le Miut, Trail de la Grande Champagne, Luchon Aneto Trail aussi. Oui. Beaucoup de dénivelé, etc. Je pense que je suis pas la Diag en octobre avant. La Diag en octobre avant, et puis aussi le dernier homme debout. Qu'on et a le fait dernier ensemble, homme debout, effectivement. C'est vrai, au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Bon, tout s'additionner, je pense que je suis pas arrivé à 100% de mes capacités. Alors, capacité, en on va dire, fraîcheur. En termes de fraîcheur, je pense que je suis arrivé quand même un petit peu fatigué. Donc, en gros, au 32e kilomètre, je commençais à être un petit peu rincé. Et le fait d'évoluer en altitude, avec le manque de globules, etc., fait que ça m'a bien fatigué. Je me suis dit, la course va être très longue. Je m'étais plus ou moins fixé à peu près le même temps que la diagonale. Je me disais que 35 heures, c'est peut-être faisable. On verra comment ça évolue. De toute façon, c'est le charme de l'ultra. Hein. Tu peux écrire tout ce que tu veux sur un papier. Ce qui est bien, c'est que souvent, ça vole en éclats. Et puis, en fait, tu te raccroches sur certaines des bases d'étapes, ou à la fin, finalement, tu peux peut-être finir sur le temps que tu avais prévu, mais la course n'est pas du tout passée comme tu avais prévu. C'est surtout exactement ça, c'est ce qui fait le charme. Donc, penser à abandonner, non, j'étais focus sur le fait d'arriver à la fin, mais je me suis dit, ça va être très long, je ne vais pas évoluer vite, mais nom de Dieu, j'irai au bout, j'irai chercher mon caillou, ça c'est clair. Je suis allé le chercher, mais ça a été dur, j'ai vraiment puisé très très loin. Il y a des fois, je finissais une montée d'un pic, fatigué, énorme descente, où on peut se dire, allez, je descends plutôt tranquille, je vais me reposer un peu, mais pas possible, les cailloux roulent sous les pieds, c'est hyper incliné, c'est que besoin de toute mon attention, etc. Pour pas se faire une entorse, tomber dans un ravin ou autre. T'arrives en bas de la bosse, ravito ou non, ça dépendait des fois, et après, bim, faut se refaire un kilomètre vertical, voire un kilomètre vertical et demi, avec une inclinaison de pente énorme. Je peux comprendre, hein, j'ai des copains qui ont abandonné, je comprends mille fois les raisons de l'abandon, ça c'est clair. Après, c'est vrai que dans mon esprit, j'essaye de modeler le truc au fur et à mesure, et de me dire, non, là, il t'attend ci, il t'attend ça, tu vas tranquillement, tu te ravitailles bien, tant pis, les 20 minutes que tu vas prendre de pause, alors peut-être que tu aurais pu prendre que 10, ils seront bénéfiques et ça te permettra d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus difficile, parce que c'est vrai que sinon, à chaque fois, tu finis quelque chose qui a été extrêmement dur et tu dois te refaire encore un kilomètre vertical et demi avec une inclinaison énorme. À un moment, tu te dis, enfin non, je t'ai plus, quoi. C'est bon, j'abandonne, je rentre chez moi. On parle justement de la difficulté technique depuis tout à l'heure, de la difficulté physique, de tout ce qui tourne autour de cette pica. Pour réussir,
Il vous avait conseillé de prendre des pastilles de sel pour recharger en eau. Quand vous arriviez au niveau des ravitaillements, est-ce que vous étiez chouchouté? Est-ce qu'ils ont tout mis en place pour que vous réussissiez cette épreuve? Parce que si en plus ils rajoutent un litre d'eau avec un carré de sucre et que c'est le premier qui l'atteint, qui le chope... Non, les ravitaillements étaient franchement bien fournis. Plutôt, l'éventail de ce qui était proposé était franchement intéressant. On avait un roadbook d'une quarantaine de pages, hyper bien fait. Ah oui? Ouais. Et sur, j'ai jamais vu un roadbook aussi détaillé. Et sur le roadbook, il était noté pour chaque ravitaillement ce qu'il y avait exactement comme denrées à boire, à manger, etc. Donc je savais exactement à tel endroit il y avait ça. Et effectivement, il y a toujours eu. Sauf la boisson isotonique où à plusieurs endroits il y avait de la boisson isotonique qui était prévue. Ouais. Et au final, il y en avait pas. Donc heureusement, mais ça je le prends toujours. Ouais. J'ai mes pastilles. C'est pas pour le poids que ça prend et la taille que j'ai dans mon sac et j'ai pas regretté. Alors je dirais que sur le dernier tiers de la course, les pastilles elles sont restées dans le sac parce que je pouvais plus les assimiler, je pouvais plus les voir en peinture et j'ai compensé par toujours pareil, ma flasque d'eau plate d'un côté à droite et ma flasque normalement de boisson isotonique à gauche. Et là, je coupais moitié coca, moitié eau. Ça passait très bien. Le coca faisait en fait une genre d'explosion de joie, de sucre, etc. Ouais. À la tête. Et quand même coupé à l'eau parce que coca pur, c'est un peu compliqué. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, il faut faire attention avec se mettre un taux de sucre énorme d'un seul coup. Ouais. On peut avoir un moment euphorique, un pic glycémique, mais après la rechute peut être assez brutale, donc ça faut faire attention là-dessus. Mais franchement, dans les ravitaux, il y avait tout ce qu'il fallait. Je dirais même qu'en plus au Basse-Vie, à Soulsem, enfin il y avait même une genre de burger party. Alors j'ai goûté, j'ai mangé deux bouchées de burger, excellent, mais il faut pouvoir l'assimiler. Ouais. Là pour le coup. Les muscles ont tellement besoin d'être alimentés sans oxygène et autres que dans l'estomac finalement il n'y a plus rien. Donc hormis du liquide, le solide, moi c'est compliqué, ça a beaucoup de mal à passer. Et d'habitude arriver au 40, ouais, sur un ultra 50e kilomètre, je commence à avoir du mal à assimiler le solide. Là vu les inclinaisons, dès le 25e, 30e, moi ça passait plus. Tu me parlais de ce roadbook là. Oui. Ils font ça sous quel format? C'est un format A4? Je ne l'ai pas ramené, mais c'est une feuille A4. D'accord. Comme ça, là, en gros. Ouais. Tu as recto verso. D'accord. Et tu as la présentation, tu as la plaquette, un challenge du Mont-Trail, pika pika, avec le nombre de kilomètres et le dénivelé. Derrière, tu as le profil. Ouais. C'est exactement ce profil-là. D'accord. De couleur. Ce profil-là. Avec derrière le petit tableau qui te dit les ravitaillements à tel kilomètre, combien tu as fait de dénivelé cumulé, positif, négatif, etc. Et tu as à chaque fois le D+ et le D- étape par étape, segment par segment. Oui. Voilà. Tu sais sur quoi tu te reprojettes derrière. Et après, ils font un focus sur chacun des points d'étape. Ils font un petit focus en disant voilà. Tu vas avoir tant de montées. En fait, on a un profil qui est encore plus détaillé. D'accord. Donc, on voit même les petits replats, etc. Et il te dit donc, t'as le profil et t'as la carte aussi IGN. Tu vois exactement où on passe. Je pense au pic de Malcaraz, par exemple. On voit qu'on revient un peu sur nos pas, puis on revient derrière. Tout ça fait que, alors si tu as envie de préparer ta course, tu peux aussi te dire, moi je prépare pas du tout, mais je ne conçois pas ça. Une course supérieure à 50-60 bornes, moi je commence à les préparer. Oui, j'ai besoin de me projeter en fait. Je suis entièrement d'accord avec et, toi. Et c'est peut-être aussi ce qui fait ma réussite, où jusqu'à maintenant, je pense que j'ai jamais abandonné. Pourvu que ça dure, je touche du bois. Le jour où ça arrivera, je pense que ça me mettra une grosse claque, mais voilà, il faudra se remobiliser, ça arrivera forcément à un moment. Le roadbook est vraiment hyper détaillé, donc tout est hyper détaillé. Tu voyais avec les cartes IGN. Voilà, on a bien le profil, on a la carte IGN qui permet aussi de se projeter. C'est sympa aussi de le voir de cette manière-là. Ouais. On a donc les ravitaux, on sait exactement de combien on monte, de combien on descend. En fait, il y a tout. Il y a tout. Et il y a même, en fin de roadbook, les itinéraires de contournement qui t'expliquent que de tel point à tel point, si jamais ça ne va pas sur ce pic-là, on va contourner de telle manière. Alors, j'avais pas mis la trace GPX des contournements. Bon. Je l'avais au cas où dans mon téléphone, même s'il faut se dire que sur cette course-là, c'est la première fois que c'est arrivé. Mon téléphone a été en mode avion toute la course
parce qu'en fait, sur 80% de la course, on ne capte pas tout. C'est hyper enclavé. Le seul endroit où on capte, c'est du côté de l'Andorre. Et l'Andorre, bah, faisant pas partie de l'Union Européenne, on est hors forfait. Ah, donc oui, ça peut aller très très vite. Je déconseille de laisser, à moins que tu aies un bon forfait ou un gros portefeuille, mais je déconseille de laisser le portable allumé à ce moment-là, parce que sinon ça va faire tourner les euros. Ouais. En ce qui concerne les ravitaillements, on a vu que c'était des ravitaillements de qualité. Oui. On a besoin de soins des fois sur les courses, pas tout le temps, mais sur une course aussi engagée que ça, je pense qu'il y a certains athlètes qui en ont eu besoin, ne serait-ce que des fois des massages de confort, ou peut-être se faire soigner des ampoules, très certainement, parce que les cailloux devaient rentrer dans les chaussures et ça devait c'est aller ça. Frotter. À chaque haut de pic, j'avais tendance effectivement à prendre, ça me prenait quoi, 20 secondes, hein, ouais. C'est rien du tout, mais enlever à enlever les chaussures, enlever les tout mini cailloux, mais rien du tout, la poussière, voilà, les remettre. Et après, je m'engageais parce que rien qu'avec ça, sans aucun caillou, les pieds chauffaient énormément. Qu'est-ce qu'il en est, Jérémy, par rapport aux soins? Il y a des kinés, tu as des masseurs, tu as des... Alors oui, mais pas tant que ça. Par rapport à beaucoup de courses, où souvent on a à partir de la deuxième partie, sur pas mal de ravitaux, des soins. Là, c'est uniquement aux basses vies. On est quand même sur un ultra de montagne, donc pour montagnard. Donc la difficulté est là, et notamment aussi dans les soins, où si tu as besoin de te faire soigner, tu pourras surtout le faire qu'au basse vie, donc sous le SEM 1, sous le SEM 2, enfin à chaque fois sous le SEM. Donc il faut quand même se dire que tu comptes déjà sur toi, pas que sur toi-même, mais déjà beaucoup sur toi. Et après, effectivement, tu peux te faire bichonner à la basse vie, où il y a des lits de camp pour pouvoir dormir, couverture de survie pour pouvoir se réchauffer, adapté, etc. Hein. Et puis, tu peux également te faire masser kiné-ostéo pour... Podologue aussi. Ouais. Il y en a un certain nombre qui avaient des pieds quand même bien, bien abîmés, bien attaqués. Donc là-dessus, je dirais classique, mais un peu comme les ravitaillements, il y a un peu moins de ravitaillements, un peu moins de soins. Les ravitaux, donc, comme je disais, étaient plutôt sympas, plutôt conséquents. Après, faut pas s'attendre non plus à la bouffe. Voilà, on fait du trail, on est dans un milieu montagnard. C'est quand même, cette course-là notamment est très intimiste. Faut se dire qu'on n'est pas au Club Med, hein. On est là pour en chier, et il va falloir... T'as signé, ils l'ont bien compris. Exactement, on a signé pour en chier, comme on dit. Bon, écoute, merci Jérém, je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre si vous signez sur la Pika Pika. Peut-être que partir sur la petite sœur qui fait 70 km. 70 km et 7000 mètres de dénivelé. Peut être déjà un sacré beau challenge avant d'affronter cette pika-pika, ce monstre. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de particulier? Je dirais que oui, effectivement, la Pika-Ariège peut être un beau tremplin. Donc déjà, si tu finis la Pika-Ariège, tu peux avoir ta place quasi assurée l'année d'après ou même plusieurs années après sur la pika-pika. C'est quasiment le même parcours. Il y a surtout les parties en Andorre en fait, qu'il n'y a pas sur la Pika-Ariège. On reste exclusivement en France. Le ratio est un tout petit peu moins élevé, mais on reste quand même sur 100 mètres par kilomètre de dénivelé, donc c'est déjà énorme. Il y a aussi pas mal de casses sur cette course, mais ça peut être un beau tremplin. Et par contre, que l'on fasse le challenge du Mont-Calm, qui lui en est à sa 33e édition, comme c'est marqué là-dessus, le KV, la Pika-Ariège, la Pika-Pika, dans tous les cas, voilà, on est sur une course qui est un peu plus intimiste que des grosses machineries comme alors le GRP, qui est une grosse machine, mais qui est quand même très familiale. Ouais. Je ne parle pas de l'UTMB, qui là est vraiment la grosse machine. Un peu moins familial, voilà, on va dire ça comme ça. Là, c'est une ambiance un peu plus rustique, un peu plus familiale, un peu plus intimiste, où tu sens vraiment que ils adorent leur région et c'est vraiment le milieu montagnard qui prime. Et c'est sympa aussi. Les bénévoles ont l'accent chantant, quoi. L'accent chantant, ils sont adorables. Ils nous bichonnent. Là, franchement, rien à dire. Ça fait peut-être même partie des organisations où on a été le plus bichonné. Et on a été, ça fait un petit peu bizarre, acclamé comme un peu des extraterrestres, quoi. Plus tu dures sur la course,
plus t'es vu avec des yeux écarquillés. On a croisé le marathon du Montcalm. J'ai dû croiser peut-être 500, 600 personnes qui, eux, montaient et moi, je descendais sur la course. Au moment où eux étaient en pleine course, ils montaient, etc., ils s'écartaient tous, ils voyaient mon dossard pica-pica, j'étais applaudi, etc. Ça fait un petit peu... ça fait bizarre, ouais. Mais en même temps, on a la banane, on a le smile. Et bon, il nous restait encore une bonne trentaine de kilomètres, je peux te dire que ça fait du bien. C'est des petites choses comme ça qui fait que... qui te permet aussi de te raccrocher à certains moments. Exactement, tout à fait. De toute façon, c'est le mental qui joue énormément. Quand le corps a quasi dit stop ou est ultra fatigué, c'est la tête qui te fait continuer. Ni plus ni moins. Merci beaucoup Jérôme pour cette interview. Je crois que tu vas quand même finir la saison avec les copains de la Team Trail 17. Ouais, c'est ça. On va aller notamment sur une course aussi, moi que je trouve qui n'est pas une course familiale parce que ça a pris tellement d'ampleur, les Templiers, mais qui reste une course de renom. Et on est toujours bien accueillis aussi là-bas. Les ravitaillements sont qualitatifs. Il y a des beaux parcours. Je l'ai jamais fait, mais c'est j'ai ta première, ce sera ma cinquième. Tu es inscrit sur l'Endurance Trail, c'est ça? C'est ça, sur le grand, ouais. Okay. Tant qu'à faire quelques kilomètres, autant faire le grand comme quasiment à chaque fois que je prends le départ d'une course. Eh ben, écoute, je te souhaite un bon début de saison parce que ça y est, on vient de repartir dans une nouvelle saison. Oui, oui, année scolaire, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et puis je te dis à bientôt. Merci. Merci, Jérôme. À bientôt, merci. Salut, ciao.